Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve donc sur Dragon Quest Builders 2. Ils viennent apparemment d'achever le château. Bon, après je suis pas certain parce que franchement, on est d'accord, il manque un étage, non? Et des meubles aussi, accessoirement. Non mais ils se foutent de ma gueule. Ah non, il est pas fini, ok. Ce que j'étais en train de me dire, c'est bizarre. Mais c'est n'importe quoi. Sérieusement quoi. Comment elle est directe, elle. Clairement, elle leur a dit, vous avez fait de la merde. Laissez tomber, laissez faire Aquila, vous, vous faites de la merde. D'accord. Bon, lui, on sait pas trop ce qu'il devient. Je me demande d'ailleurs même si ce sera pas le boss de fin, parce que... étant donné que c'est le maître de la destruction, il y a moyen. Ah d'accord, le mec, il est KO. D'ailleurs, c'est pas l'endroit où on était au début. Ben si, c'est là où on l'a rencontré. C'est
Ces textes durent toujours aussi longtemps. Je comprends pas l'intérêt de faire afficher un texte pendant 1 heure et demie en fait. Genre à un moment donné, ça suffit pour lire 2 secondes. C'est chiant, mais c'est chiant! Eh ben, 3000 hommes pour 4 phrases. D'accord, donc on fait même pas de plan. Et donc je suis censé faire quoi? Est-ce que c'est ça la vraie question?
Bon, on va essayer de construire déjà de quoi se faire à manger. Fait chier, je voulais utiliser mes points pour ça, quoi. Oh. Ok, et là au niveau du lit, je suis censé faire un canapé modulable. Je suis censé faire un trône. Ah ouais, j'ai le trône de Lord Dragon. Là en pratique j'ai tout. Ça devrait me donner pas mal ça déjà. Ouais voilà, 30% je m'en doutais un petit peu. Elle fait quoi la fille? Ah d'accord, il dort là. Un trône dans une salle ainsi que 4 bannières colorées, 2 braseros. D'accord. Bon, on va déjà faire la salle du trône. Sauf que cette salle du trône, elle me paraît trop grande, hein, mais bon. À voir. A voir, à voir, à voir. Alors, est-ce que déjà... Voilà. C'est exactement ça que je cherchais. Quand même, celui qui a imaginé ce château, il a vraiment eu une idée farfelue, parce qu'il est vraiment affreux ce château. Ok, bon, pour cette partie, c'est fini. Elle me paraît beaucoup trop grande cette salle, mais genre vraiment. Elle est énorme. Il va jamais la reconnaître comme étant une salle. C'est impossible. Ça va, moi j'y peux rien dans l'histoire. Je suis obligé de faire comme eux ils ont prévu de faire en fait. Thank you.
En plus, ça va même pas faire joli leur truc. Parce que là, j'ai 3 plus 3 plus 2. 3 plus 3 plus 2. Et le souci réel, c'est qu'on est sur 5 et qu'il n'y a aucune porte qui fait 5. Mais j'ai vraiment aucune, sauf peut-être la herse. Tu sais, t'imagines, je fais ça. Bon, bah écoutez, pour accéder... Ah non, la herse, même elle fait 6, d'accord. Bon, écoutez. On va voir, on va espérer que la porte fait 5. Mais ça me paraît un peu con. Voilà, on a ça, on a ça. Alors là, c'est une porte de salle du trône réellement. Donc on va voir à la porte de salle du trône. En fonction, j'aviserai. Ah si, ça va, ils ont prévu le truc quand même. Sauf que comme je le pensais, elle est trop grande. Donc la seule solution, c'est de faire des pièces, on va dire, ici. C'est même pas reconnu comme étant une pièce. Là, ça craint. Ça craint même vraiment. Bon, il faut que je vois si je peux choper de quoi faire des bannières. Bon, en pratique, j'ai tout ce qu'il faut. Après, je dis bien en pratique parce que c'est mal barré. Oh, il s'est arrêté de pleuvoir, magnifique. Cette salle du trône est affreuse. Affreuse. Pourquoi il me détecte pas ça comme une salle? Putain, ça m'énerve. C'est-à-dire que...
si par exemple je fais ça. Une porte, une poporte. Voilà, il considère ça comme étant une énorme salle. Donc. C'est là où ça va être compliqué. Vous imaginez qu'il considère ça comme étant une énorme salle quand même. Énorme salle chouette. La question c'est qu'est-ce que j'ai oublié ? Prends pas en compte ce qu'il y a là-haut, c'est complètement con. Ok. On va revoir les choses à la baisse, comme elle vient de dire. Parce que ça va pas. Donc ce qu'on va faire.
bien dommage. Mais j'ai pas le choix. Ah oui, d'accord. Ils ont même pas fait de sol en dessous, quoi. Ma foi. Pourquoi pas, hein. En gros, je vais faire la chambre derrière la salle du trône. J'ai pas le choix. Par contre, c'est vraiment mal fait que ça fasse pas la distinction entre un sol et un mur, parce que du coup, c'est pas du tout uniforme, c'est affreux. Vous voyez? C'est n'importe quoi. Bon. Oups. Du coup, il me faut du sol de style tapis comme ça.
Oh mince, mais quel con. Oh, je suis pas doué, mais c'est un truc de dingue. Oh. Et du coup, au niveau des portes, elles sont où? Bon, pour l'instant, je vais prendre ça, mais c'est pas vraiment ce que je voudrais utiliser, quoi. Énorme salle du trône, ouais, mais tu m'étonnes. Là, ici, on fera une autre pièce. Je vais aller voir ce qu'il faut mettre dans la chambre, du coup, dans la chambre royale. Bon, voilà, la salle du trône, elle est pas ouf, mais elle est quand même sympathique. Un lit double. Un machin, c'est même pas marqué en entier. Une chaise chic. Un éclairage chic et une enseigne. Ok. Donc, il me faut à manger une fois de plus. Ensuite, il me faut du coup un éclairage chic. Ah ben ça doit faire partie des éclairages chics, je pense. Il y a marqué chouette. Non mais sérieusement. Voilà, merci. Donc je disais, ça fait partie des chouettes, donc en soi je peux mettre un peu ce que je veux tant que c'est chouette, j'imagine. Alors ça, malheureusement, c'est normal, naturel. Ça, c'est naturel. Ça, c'est chouette. On peut choisir la hauteur. Alors ça c'est... Ah ouais, mais ça c'est normal encore. Ça c'est chouette, mais le truc c'est qu'il faut le poser. Vas-y, il me saoule lui. Non mais c'est une blague, il fait jour et l'autre il est encore là.
Bon. Ouais. Bah écoutez, on va rester sur la lanterne. Et pour le lit, du coup... Ok, bon, on va voir. Ma vie, elle est pas censée se restaurer quand on m'a soin. Bon, tant pis. Ok, donc du coup... Il me faut normalement une pancarte. Ouais, ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça aussi. Énorme chambre individuelle, chouette, donc non, ça va pas. Bon, la salle du trône, c'est bon, par contre, je comprends pas. Qu'est-ce qui me manque? Ça, c'est bon. Un lit double, un machin comme ça, une chaise chic, un éclairage chic et une enseigne dans la même salle. Alors, est-ce que ça vient du fait que j'ai pas mis un lit double mais un lit à baldaquin? Je vois que ça comme possibilité. Donc on va voir. Mais bon, ça fait pas très royaux comme lit, on va pas se mentir. C'est très moyen. Ah bah ouais. Fini. Ça aura pas été simple, là, je vous le dis.
Ça, c'est cool. Ok, super, bah du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on ira voir du coup l'ermite dans le prochain épisode. A très vite, bye bye.